C'est à toi de nous sortir de là. Au-dessus de toi. Nice, nice. Utomi. Utomi. I am solid. Attends, on n'a pas du tout respawn au même endroit. Alors là, Là, il faut absolument les prendre parce que tu vas crever sur des rotations et tout. Il faut que tu apprennes chaque véhicule, tout ça. Il y a des véhicules qui sont vraiment ultra méga bien. Dans tous les cas, vas-y, on va jouer, on va se régaler, tu vois. Hier, j'ai fait top 1. Oh hier, putain. J'ai fait top 1, je crois, 10-12 kills. Les gars, des potes à toi. Okay. Ouais. La chasse commence. Ok. Là, je suis allé là pour la prime. On a marqué vos cibles. Alors, pas pour les armes vu qu'il n'y a rien. Non. Une batteuse. Objectif principal terminé. Toutes les cibles ont été neutralisées. On va sur le shop qui est là. On va looter un peu à l'attendant. L'objectif là, ça va être d'avoir 5000 balles histoire qu'on se prenne une arme sympa. Toi, tu t'en fous, juste tu me files l'argent et je te passerai une bonne arme comme ça. Dans l'idée, il y a des armes au sol qui sont super bien. Tu vois, genre la Vaznek, très très bonne. Fennec avec 45 balles, bonne aussi. Tu prends la même arme que moi. M4. Tu veux une M4? Ouais, attends, vas-y, tu sais quoi, autant tester. Tiens, kiffe celle-là. Ouais. Hop. Hop, regarde, là il y en a deux. Oh, ça vit hein. Tu prends celle que tu veux, celle que tu sens le mieux. Ouais, viseur, la prends. Je peux aller. Alors par contre, t'as vu, que 20 balles dans celle-là. Par contre, si tu tires bien sur le haut du corps, c'est un leurre. Fais attention, ça veut dire qu'il y a un mec. C'est pas toi qui l'as lancé ça. Non. Ah oui, 20 balles par contre, je crois que je vais galérer. Bon, j'ai pas ton moi. Tiens, mais regarde, là t'as un 60. Ouais, impeccable. Regarde, on a la forteresse. L'espèce de truc blanc. Ouais, avec les bottes là, oh là là. Ouais, ah, ils sont super forts. La peur de ma vie la première fois que j'ai joué là-dedans. Je me suis dit, mais attends, mais y'a 20 mecs. Ouais, moi aussi, je comprends. T'inquiète pas. Vite, on rentre dedans là. Attends, mais ça. Revive toi. Ouais, je me revive. Viens vers moi. Merci. Là, tue-le lui, juste lui. Nice. Là, tu revives. Derrière toi, vite. Oh. Je te laisserai pas, mon mec, je sais pas si. Attends, j'arrive. Du calme, ça va aller. Let's go, je revive Chocho. Non, ouais. Merci, frérot. Mais c'est quoi ce que j'ai pris? Genre, je suis rentré. Je fais one shot. Par un truc, je sais pas c'était quoi. Il y avait un truc par terre. Attends, viens, on y va. Je diffuse la bombe. Oh. La salope, elle veut pas se diffuse. C'est bon, on a un Kevlar, on a tout ce qu'il faut là. Re-shield de toi. Ah nice. On a nos classes. Oh, on a nos classes. Et regarde le radar ce qu'il dit. Le radar il nous indique exactement où est-ce qu'il y a une team. Il y a une team là, il y a une team au-dessus de nous aussi, regarde. Là, il y en a un qui nous attend au-dessus. Fais gaffe, Tommy, viens avec moi. Ah ouais? Ok. Regarde, il nous a vu. Crac. Crac à la mort. J'ai besoin de soin. La méta. Merci. La méta, c'est de jouer smoke en. T'as eu? Il est juste à côté, le mec, encore. T'as des plaques? Ouais, tiens, mon ref. Trois plaques par terre. En gros, il y a toujours ce mec qui est en train de camper. Il est à l'intérieur de la maison. Il y a les deux autres qui vont en profiter, sûrement. Sois patient. Ah, viens avec moi, Tommy. Regarde, il est là. Sur toi, en vrai, y'a moyen. Oui. Crac. À terre. Nice. J'ai mis deux grenades, ils sont à terre. Je commence à grimper l'échelle. Je me fais défoncer par les bottes. C'est bon.
c'est les bots qui m'ont kill comme ça. Aïe aïe aïe. Ah, c'est les bots, c'est des ouf gros. Non mais y'en a un autre. Oh non mais mec, c'est les mêmes bots que sur Counter Strike. Ils sont trop méchants. C'est un truc de fou. Ah mais c'est un truc de ouf. Viens Tori, on se casse. Fort. Tiens frérot, je t'ai posé des plaques par terre. Bien vu. Toujours 0 kill du côté de JL Tommy. Ah ouais, non, mais on fait le travail ensemble, t'inquiète pas. Mais c'est bien là, comme ça tu vois. Je vais prendre mon temps, je vais bien tout expliquer, tout faire les trucs bien. Tu vas step up de ouf et tu vas pouvoir apprendre à tes potes après. Après on fera des squats JL mec, ça va être terrible. Le but c'est de donner un champ plus fort que toi. Ah ben ça, voilà, tu vois, il va falloir cravacher mon Tommy. Cravacher. J'aimerais trop jouer à plein de trucs comme vous faites et tout, mais ouais. j'aime trop les jeux de tir, tu vois. Toi, c'est vraiment, t'aimes vraiment que Warzone, genre. Mais mec, j'aime enfin tous les jeux de tir. Il m'a rôti, il est low HP. On est tué un, putain, deuxième. Oh, je m'attendais pas à ce qu'il soit au contact. Oh, joli. Oh, bien joué. Ah, t'as quand même knocké un. Hein. Ouais. Soldat, votre misérable vie m'appartient. Oh mon gras, on est ensemble, chouachin. Voilà, on perd pas, frérot, on perd pas. Vas-y, on prend à droite. Toujours tu prends à droite, tu te mets dans les. Et tu leur mets la pression en fait. Y'en a un, contact. L'autre il est derrière toi. T'es en 1 contre 1, Tommy. C'est à toi de nous sortir de là. Au-dessus de toi. Nice, nice. Tommy. Là, il est solide. Chope ce truc. Ça, c'est les nouvelles loupes. En gros, il y a 3 coffres qui s'ouvrent. Oui. Et en fait, genre, on ouais, déjà, il y a de la thune, mais en plus, il y a les sacoches, il y a les bonnes armes, il y a tout, tu vois. C'est... en ce moment... Non... Oh, mec sniper qui nous regarde, il est là-bas. Je vais sur le loadout. Alors, mec, tu l'as bien aimé, l'arme que je t'ai filée? Ouais. Tiens, tu vas en essayer une autre, vite fait. Elle ressemble vachement. Passe ton argent. Oh, le petit truc. Bien joué, Tommy. Je vais ça. Là, tu te mets là, c'est les plus fortes positions les plus fortes. Tiens mec, elle est, c'est celle-là. Ça c'est ton arme de corps à corps. T'as ton arme okay. De corps à corps, ton arme de distance là. Impeccable. Les années derniers. Les snipers one shot plus, Tommy. Ouais. Même dans la tête? Même dans la tête. À part un sniper, mais il vaut rien. Regarde, c'est ce que je t'avais dit. Crac. Magnifique. Magnifique cover. Il m'a push Tommy. Il me finit. Oh c'est les mêmes mecs. Bien oh les tryharders. T'as vu? Là on est dès la zone 3 ou 4. Il coupe déjà les rotations comme ça. Oh non. Ça c'est la faute à pas de chance. T'as un hélico qui t'est tombé à travers la gueule. Mais c'était pas sérieux. Je te jure. Incroyable. Là tu vas dans les petites maisons, tu essaies de trouver l'argent. Mais je vais essayer de revenge surtout non? Ah non. Genre... Ah! Tu les as pas tués? J'en ai crack un et non. Alors vu comment ils jouaient, à mon avis, vous êtes tourné autour. Là. Alors... Fais gaffe, fais gaffe. Dommage. Ah t'inquiète, on va sauter direct. Là, en bas à gauche. En gros, je lâche mon call au dernier moment, au cas où il y a des streamers dans la game ou quoi, ils tombent légèrement en retard, on les saute. Je regarde toutes les fenêtres, les murs qui sont un peu légers pour tirer à travers. Jamais eu envie de jouer manette. En fait, genre, j'ai vachement joué manette quand j'étais kid, t'as mes 13 piges. Mec, attends, je crois qu'il y a un mec au contact. Vas-y, ouais. T'inquiète. Là, il vient de monter dans l'escalier là. J'avais pas d'arme. Tombé. Il est crack.
Bien joué toi. Parce que là je me demande si c'est pas la méta en vrai la manette sur. Ah bah complètement, complètement. Là c'est complètement méta. Hein. Si tu sais, si t'es meilleur sur manette que sur clavier souris, il faut vraiment pas hésiter hein, quand t'es sur code. Mais en fait, moi ce que j'avais tilté à l'époque, c'était. Je trouvais que j'avais un bon niveau manette, je me débrouillais bien. Mais que tout se jouait au temps de réaction. Et sachant que j'étais un gamin qui arrivait pas à se concentrer. Je me suis dit, vas-y, ça saoule, bah laisse tomber. Et je suis passé clavier souris et j'ai appris à bien aimer, tu sais. Tous les mouvements, les trick shots, les trucs fun un peu. Et je suis passé sur Counter Strike aussi. Bah Tommy, t'as pas kiffé. Mec, si je te dis un truc, Tommy, j'ai pas essayé gros. T'as toujours pas essayé? Non, sur 20. Tu devrais tester Valorant. Ah bah mec, moi j'ai trop envie. Hein. Bah vas-y, tu sais quoi, regarde. Comme ça, toi tu me formes à Call of, je te formerai à Valorant. Vas-y, avec plaisir. Bon, je suis pas la référence de Valorant de tous les temps, mais. Ouais, mais juste on se balade ou quoi, ça me ferait rire, mec. Hein. Mais ça s'est senti que t'avais un shoot à la counter, mais Valorant, du coup, ça explique. Ouais, je jouais beaucoup, beaucoup. C'est mon jeu de cœur, genre CS. Arrête! C'est vrai? Ouais, ouais. Oh, j'ai acheté un PC. En gros, de base, moi je joue à Call of sur Play, comme tout le monde, tu vois. Ouais. Je me suis acheté un PC juste pour jouer à CS. C'est trop bien. T'as vu? Là, t'as un drone explosif. Le fais pas péter ici. Hein. Tu vas les voir à travers le mur, c'est les petits carrés blancs. Je peux ouvrir la porte, hein? Moi, je peux t'ouvrir si tu veux. Ouais. Oui, il est là. Attends. Comment? Oh! Pète. Oh. Tu l'as baisé. Aïe, il y avait une clé. Gros, ce fils de pute, t'as vu ce que les clémores qui avaient par terre? Incroyable! Mais ça fait pas de bruit? Ça fait du bruit. Ouais. Mais c'est la pire des saloperies, ce truc. Genre, il faut je sais pas combien de balles pour le casser, ça avance trop vite. Si un mec me lâche ça, je suis mort, hein. C'est pas ça que je m'étais pris tout à l'heure? Non, c'est un avion qui t'est tombé à travers la gueule tout à l'heure, ouais. C'est une dinguerie quand même, non, la probabilité. Ça fait X heures que je joue, mec, et j'ai jamais vu un avion bot tomber à travers la gueule de quelqu'un. C'est incroyable. On le fume et après on va fumer les autres. Il est là. Tu peux m'aider? Ouais. Tiens. Ok, merci. Merci frérot. Tu veux prendre son arme? Non, c'est bon. Ok. Oh, j'ai freeze. Non. Non, frère. Non. Oh putain, toi aussi mais trop. Non, bah ouais, mec, bien sûr que moi aussi. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Mec, mais c'est parce qu'on est des joueurs PC, gros, et que leur jeu il est développé par une bande de macaques, mec, qui s'entre-sus dans des bureaux. Mais t'es pas sérieux? Mais si, gros, on a crashé exactement en même temps, et là on est comme des merdes en train de regarder en même temps. Les gars, est-ce qu'il y a moyen que quelqu'un envoie la 10 sub gif, s'il vous plaît? Juste qu'il envoie une normale. Vois, les gars, c'est juste pour que je vois. C'est pour qu'il voit, tu vois, c'est pas une douille. C'est bon. Regarde. Là, tu vois, t'as Neymar qui vient d'arriver. Ah oui. Regarde, il se prend un carton rouge par un arbitre du jeu. Bam, il le flingue. Ça, tu vois, c'est incroyable. C'est mon compte monteur qui s'est foutu là-dedans, tu vois. Enfin, comment il a fait pour avoir le Neymar en 3D? Mais justement, mais ça se trouve sur un AM, donc c'est possible que ton gars de TikTok il ait volé ça, justement. Et j'en ai plein, mec, et j'en ai qui sont incroyables. Mais moi j'aime trop ça, ces trucs-là. C'est du 3D, je trouve c'est un divertissement tellement incroyable. On a identifié les cibles, à vous de jouer. J'ai fumé un mec, je lui saute. Ok, c'est bon, fin. Je coupe de tout mon cœur. Mais est-ce que t'as besoin de moi-même? Non, mec, je vais tranquille, mais. Bien sûr, j'ai besoin de toi, c'est quoi cette idée? Toujours là, il est toujours sur mon ping. Hein. Quel fils de pute, il veut pas reculer, j'ai plus de balles, gros. Il est mort. Il est force pistolet ou c'est juste pour courir? Mais j'en sais rien, justement. Je l'ai fait tout à l'heure. C'est surtout un jeu de brain. Là j'ai mis une smoke là-bas. Lui vas-y, c'est quoi ce bordel?
Bien joué. Des bots. C'est pas vrai. En fait, tu sais que c'est des bots. Là, tu vois la mini-garde là ou tu la vois pas? Oui, ça fait des carrés. Ouais, ok, c'est des carrés voilà. Rouges vides. Si, j'essaie de trouver des trucs un peu cool. Tiens, viens avec moi. Essaie de trouver une arme par terre. On va aller vers vers la team. KKKF 007. Je meurs par lui, frérot, je me tranche les couilles. Il a celui à gauche du palmier, il a l'OHP. Les deux sont crack. Je balance des grenades. Elle touche pas. Mais ça crack shield, la grenade. Un mort. Magnifique ce push. Magnifique. Ah, super travail ça. Par contre, t'as vu ce nouveau système de safe zone? Avec les trois zones différentes là? Ouais. Je trouve ça trop nul aussi, mais putain. Moi ça va, c'est tactiquement c'est intéressant. Bon, on aurait pu. Ah, Wello, oui, mais pour des games. Oui, voilà, mais sinon, c'est pas. Voilà. En tournoi, ça va être cool ça par contre. Ah, bah mec, non, mais les tournois par contre, s'ils font une scène ou quoi, ça va être exceptionnel. Hein. Ouais. Ça va être là. Alors à gauche, on sait qu'ils sont là-haut. Ah oui, je les vois, attends, je remets un coup de snipe. Je suis prêt, go. Vas-y, allume frérot. Crac. J'avance par en bas du pont. Il a sauté, à droite du pont. Le drone quitte la zone. Y'a un mec qui se rapproche de toi, je crois, au dernier contact. Ici là. Contact à toi. Il est très très low, Drone hostile dans la en bas zone. Ouais, il a sauté en bas, ouais. Ah ouais, sous le pont. Oui. Crac. Il va mourir normalement. Il y en avait d'autres, je crois. Hein. Fais gaffe, ils sont sur la hauteur les autres. Je lui ai mis une balle de snipe, je sais même pas si ça lui a enlevé. Alors, de shield. Ouais, mais normalement, la balle de snipe, si elle est dans la tête, elle te met à 1 HP. Si t'as un shield violet. Ce que je fais, Tommy, ce que je te conseille de faire bien souvent, tu vises. Vise par terre. Ouais. Et en fait, juste tu te sers du zoom de la visée pour regarder au-dessus de toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Comme ça, t'as une belle vision bien claire de ce qui est en train de se passer. Là-bas. Ah oui, sniper. Movement ennemi. Sniper ennemi. Il veut faire un build de sniper. Ils vont être bord de zone. Viens, on passe par la droite, on va les baiser. Quelle bande de fils de pute. Cours. C'est un putain de piège. Mec, t'as vu ça? Ils nous ont lancé deux frappes quand on s'est rapprochés. Viens, Tommy. Je suis dans la maison, Tu peux sortir. Ouais, okay. Ils sont en train de s'échapper. Il faut les retrouver. Mec, ces fils de pute. C'est un putain de piège. Ah, mec, t'as vu d'un seul coup, on s'est rapprochés. Frappe de précision, frappe à dispersion. C'est bon, je les ai rattrapés. Tiens, t'as fait mon grand? Un mort? Enfin, un autre plutôt. Fais gaffe, je crois qu'ils sont contactés à toi. Ils sont où? Je l'ai fini. Ah, derrière moi, ouais. Mort. Oh là 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 là! Bien joué ça, mon pote! Arrête, stock à tout fait! Véga, arrête, j'ai rien fait! Qu'est-ce que tu dis? T'as tout fait! Fais distraction, moi je l'ai backstab! C'est ça qui est bon! C'est ça, c'est quoi ça? C'est l'habitude de jouer avec Tiggy! T'as vu à l'époque sur Fortnite, vu que lui, toi, tout le temps il court? Non, mec, c'était un animal, frérot! Il est devenu quoi d'ailleurs? Il a continué ou il a arrêté? Lui, je crois qu'il a investi des sous, il doit être dans les pays de l'Est, en boîte là, à mon avis. Là. Avec une grosse veste en peau d'animal, trois meufs. Je crois qu'il a un muscle, il a arrêté lui. Il joue vraiment pour le kiff maintenant, quand ça le chauffe. Ouais, mais il a raison, mec. Dans l'idée, on va évoluer par la montagne et on va se caler sur une zone où il n'y a pas beaucoup de bâtiments. Moins il y a de bâtiments, plus il y a de gens qui auront du skill dessus. Des fois, je dash là. Regarde, ils sont deux ici. Je me fais celui de droite, tu te fais celui de gauche. Vas-y, un. Deux. Attends. Trois. Attends. Ah non. Okay, c'est bon, c'est bon. Donc le mien. Mort. Ok, nickel. Oui, sniper, il est trop bien.
T'es kiffé, frérot? Ouais, trop bien. En fait, la première balle, genre, j'ai pas retiré direct par réflexe, et après, je me suis dit, attends, je retire là. Ouais, parce que tu vois un gros crack shield avec une balle dans la tête, le truc il est plus lourd que ta bite, c'était en mode, attends, oh, meurs quoi. Ça allait quand même. Oh, tu t'es régalé. Là. Tac, à terre. Je vois là pour finir. Pour finir, il faut pas hésiter à ce que tu utilises tes grenades et tout. On a livraison express. C'est comme si par exemple là on commence vraiment à subir une pression de ouf par des mecs à droite. Ben, on envoie une smoke, dans tous les cas on s'en bat les couilles, elles vont revenir. Ah, parce que je... Ouais, ça, on... c'est les atouts que t'as livraison express. Ah, ce oui, truc. Oui, vu que j'ai mes atouts, ok, d'accord. Alors par contre là, sauce confiance Tommy. Hop, bien reste bien avec les cheveux. Il y a un petit drone qui nous a spot. C'est quoi, je balance le drone. Ah, ils veulent nous baiser. Un non. T'as un knock-un? Ouais. J'ai fini. Nice. C'est vers là. J'ai vu, il y avait le deuxième aussi. Ah mec, on est à 20 mètres, on voit R hein. On le push? Nade, non, on push pas. Juste nade. Montre lui qu'on est des tarés. Tu m'as dit non, j'étais en train de le push. Oh frérot. En fait, je suis un peu tombé, chef. Oh, c'est pas grave, il y a une tyrolienne, poulet. laisse-toi tomber en bas de la tyro et remonte. On va sauter, on va se positionner tranquille là, ok? Vas-y. On profite de ce frappe. Tranquille, avance pas trop. En fait, il peut vraiment y avoir immensément de gens dans le bac. Genre, c'est vraiment un jeu de rat. C'est comme PU. Et là, tu vois, on est golden. Là, au-dessus, à gauche, sud. Un crack. Il a gobé la nade, le mec. Ah non. Ah oui. Je m'auto-revive, t'en fais pas pour moi. Genre, est-ce que tu peux envoyer une smoke devant? Genre un peu à gauche pour couper la. Nice, magnifique. Eh bien, viens, on y va. Attends un peu, on rentre après. Après, je rentre. Hein. Ouais, non, mais je vois ça. Oh, non, nickel. Hop, et là, on tempo. Là, ce qu'on fait. Oh. Magnifique. Frérot? Ouais. Hop, viens, on va. Hop, on va dans le tunnel. Oh, petite pute. Genre là. Tiens, je me mets à droite si tu veux. Non. À gauche, ça arrive. J'envoie une smoke pour qu'il nous tire pas dessus. Revive-toi. Balance une autre smoke nord-ouest dès que t'es revive. Je t'en voudrais ça. J'envoie un fumigène. Nice. Re-shield un peu, on est en 2v1. Allez go, viens avec moi. Il est derrière accroupi. C'est pour toi mon grand. Non, j'ai plus balle gros. Non, je veux pas. T'inquiète. Arrête. Vas-y. Ok. Lèche. Je suis mort, moi. Non, frère! Non! Oh non, c'est terrible! Il doit être refait. Ah, t'as envie! Attends, mais pourquoi t'es pas. J'avais deux autorés à ma gueule. Oh là là, bien joué. Mon frère, je suis resté dans la zone en mode il fallait absolument qu'il décale, il s'est pris la quadruple tête. Putain. Oh, c'est un game de baiser, gros. Là, t'es monstrueux. En fait, je suis resté dans le gaz, j'ai attendu avant de me réa. Comment on fait pour voir des kills? Là, t'as fait sur ouvrir le classement en bas à gauche.
T'as 11 kills, j'ai 12 kills, frérot. Ça va ? Ah mais frérot, tu te débrouilles super bien. On a 8000 de dégâts à tous les deux, c'est une très très belle game.